La raison, c'est que j'ai subi deux viols ici, pas très loin de là où nous trouvons aujourd'hui, au plus sur la place des Jacobins. Et du coup, je suis là aujourd'hui pour témoigner. Pour témoigner à visage découvert, c'est important pour moi parce que je veux que la honte change de camp. C'est plus à moi d'avoir honte. J'ai été violée deux fois par deux hommes différents, deux étudiants de l'Université du Maine à chaque fois. Et la première fois, c'était il y a 3 ans et demi, le 2 janvier 2017. Je me souviendrai toujours de la date. C'était un ami et je suis allée chez lui parce qu'on devait regarder un film. Il m'a fait monter dans sa chambre. Et puis il m'a dit que le film ne fonctionnait pas. Je lui ai dit que c'était pas grave, qu'on allait en regarder un autre en streaming sur internet. Et puis il s'est allongé sur moi, il a commencé à m'embrasser. Je lui ai dit que non, que j'étais pas d'accord et que je voulais attendre au moins. Et puis il a continué. Je l'ai poussé un peu et il a encore continué. Si bien qu'à un moment donné, j'ai arrêté de dire non. Et puis, j'ai pas beaucoup de souvenirs, en fait, parce que mon cerveau a complètement déconnecté. Mon corps était avec lui, mais mon esprit n'était plus là. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai repris à moitié conscience, parce qu'il m'a demandé si je voulais vraiment regarder un film. Je pense qu'il a eu un petit éclair de lucidité, où il s'est dit, c'est pas normal qu'elle fasse l'étoile de mer. Du coup, il m'a demandé si je voulais vraiment regarder un film et je lui ai dit que oui. Mais j'ai souri parce que je me suis dit que déjà, il ne m'écoutait pas quand je disais non. Donc, je ne voulais pas que ça devienne violent. Et en fait, je me suis dit que si je le repoussais ou si je me débattais plus, il allait me violer. Et du coup, je lui ai dit oui en souriant pour être gentille. Et je pense qu'il l'a pris pour de la provocation, en fait. Et du coup, il a continué. Après, j'ai plus de souvenirs. Je me souviens, en fait, les souvenirs, c'est surtout des sensations. Des fois, je me souviens de ces sensations, je les ressens encore. Je me souviens qu'à un moment donné, c'était tellement insupportable que j'ai voulu arrêter. J'ai commencé à être active pendant ce viol pour que ça s'arrête le plus vite possible. Voilà. Et la deuxième fois ? La deuxième fois, c'était plus complexe. C'était un garçon qui m'avait déjà agressé sexuellement et j'avais pas conscience que c'était une agression sexuelle. C'était un garçon qui m'avait déjà fait des avances et on flirtait ensemble en fait. Je lui ai dit que je voulais attendre. Et il n'arrêtait pas d'avoir des gestes assez déplacés. Je tenais sa main, je la renvoyais. Je lui disais que je lui ai expliqué cette histoire-là, la première, que j'avais été déjà violée et que j'avais besoin de temps, en fait, pour pouvoir m'approcher de son corps et pouvoir accepter qu'il me touche. Un jour, il m'a invitée à l'hôtel. Et je lui ai dit que j'étais d'accord pour l'invitation à l'hôtel, mais à une condition, c'est qu'on soit dans une chambre séparée, ou si c'était pas possible, de faire au moins lit séparé. Et il m'avait dit, oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Et quand on est arrivé dans la chambre d'hôtel, c'était un lit double. Après, on avait été surclassé, donc je me suis dit que c'était peut-être pas de sa faute et que peut-être qu'il n'avait pas eu le choix. C'est plus dur, celui-là. Il a été un moment temps de dormir et puis il s'est rapproché de moi alors que je lui avais dit non plein de fois, beaucoup de fois, vraiment énormément de fois. Je lui avais dit que j'étais pas prête et j'en ai eu marre de dire non et du coup j'ai fini par céder. Et cette fois-là, comme j'avais déjà été violée, je voulais pas que ce soit un viol, je voulais pas revivre un viol. J'ai été plus active dans le rapport et il m'a même filmée alors que j'étais pas d'accord. En fait, j'étais dans une position où j'avais pas le visuel sur lui. J'étais tournée et j'ai senti son corps faire un mouvement un peu particulier et je me suis retournée et j'ai vu le téléphone
face à moi. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit non, je regarde l'heure. Je lui ai dit, mais non, mais n'importe quoi, te fous pas de ma gueule. Donc je sais pas s'il me filmait ou s'il me prenait en photo. Et puis, du coup, voilà, on est allé jusqu'au bout. Pourquoi l'aviez-vous suivi dans la chambre d'hôtel? Parce que c'était pas au Mans, c'était plus loin et que j'avais pas le choix, en fait. Il y avait beaucoup de... En fait, je me suis rendu compte après coup qu'il avait beaucoup d'emprise sur moi et qu'il avait fait en sorte qu'il m'avait vraiment manipulée psychologiquement pour que je fasse, pour que je puisse pas dire non, en fait. Voilà. Et pour ce garçon-là, j'ai appris que j'étais pas toute seule et j'ai rencontré d'autres victimes et à qui il a fait, c'était les mêmes stratégies, la même manipulation. Vraiment, les stratégies étaient vraiment similaires. Avez-vous porté plainte? Pas encore, mais j'ai envie de le faire et je crois que je vais le faire. J'attends d'être prête psychologiquement et de plus ressentir aucune culpabilité parce que j'ai encore l'impression d'être responsable. Je travaille beaucoup sur ça. Et beaucoup de sentiments d'illégitimité aussi à me décrire comme victime alors que j'ai cédé et que c'était pas forcément hyper violent dans les faits. Ça l'a été psychologiquement pour moi. Ça a été très violent. J'ai entendu la phrase « violer, c'est tuer » en laissant la victime vivante. Et pour moi, ça a exactement été ça. Et ça a été très, très dur. Pour le premier viol, j'ai oublié, en fait. J'ai anesthésié tout, complètement. Et il m'a fallu un an pour me rappeler. C'est revenu par brides. C'était des flashs, des sensations, des odeurs, en fait, qui me ramenaient là-bas. C'est revenu comme ça. Il m'a fallu un an pour me souvenir et un an de plus pour réaliser que ce que j'avais vécu, c'était pas une mauvaise expérience, mais un viol, un crime. Parce que quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit que les viols, c'était pas ça. C'était dans le coin d'une rue, dans une rue sombre, sordide. Et du coup, voilà, beaucoup d'illégitimité par rapport à ça, pour ces raisons-là. Et puis après, il a fallu apprendre à vivre avec aussi. Et ça a été très compliqué. J'ai fait une tentative de suicide, à laquelle j'ai survécu aussi. Et ça a été le cadeau le plus précieux pour moi. Parce que ça me permet d'être encore ici et de pouvoir mettre du sens à ce qui m'est arrivé, de pouvoir parler pour que les victimes se reconnaissent dans mon vécu, dans mes expériences, et qu'elles puissent à leur tour réaliser que c'est pas normal ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont subi. Et puis il me tient à cœur de parler aussi pour dire que la réalité du viol, c'est pas ça. C'est pas dans le coin d'une rue sombre et sordide où la victime est laissée pour morte. La réalité du viol, elle est différente, elle est beaucoup plus insidieuse. C'est beaucoup de manipulation. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je parle et que j'ai décidé d'en faire vraiment un combat personnel. Ivre d'alcool et de ses romans misogynes, habillé de son innocente perversion violente, quand il a fait s'éteindre la lumière de mon corps et de mon âme, quand il a fait se séparer ma chair et mon esprit, quand sa violence s'est emparée de moi pour me rendre seule, sale et silencieuse, comme beaucoup d'autres femmes, je vous le dis, me croyez-vous? Non, vous ne me croyez pas. Mieux, vous continuez à vous asseoir à sa table, de boire son vin et de répondre à ses sourires. Non, vous ne me croyez pas. Vous ne voulez surtout pas me croire. Vous ne voulez surtout pas nous croire. Et vous nous rendez silencieuses. Vous nous rendez silencieuses et honteuses d'un crime que nous n'avons jamais voulu. Jamais. Dès le début de notre relation, il y avait des signaux alarmants. Il faisait preuve d'une jalousie excessive que je prenais pour un manque de confiance en l'autre. Au tout début d'une relation, ça peut se comprendre. Mais très vite, ces crises de jalousie sont devenues de plus en plus violentes. Il a commencé à être violent avec les objets qui nous entouraient. Il m'a trompée. Et à partir de cet événement, tout est devenu plus intense dans nos disputes. Jusqu'à ce qu'il pointe son poing serré au-dessus de mon crâne. Qu'il me bouscule et m'insulte. Je l'ai quitté. Mais il est revenu, comme à chaque fois, avec des roses, avec des cadeaux. Tout un tas d'excuses et de petites attentions. De « je ne referai plus jamais ça ».
Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais sous son emprise. Il n'avait aucun recul sur la situation et surtout, je l'aimais. Alors on s'est revus. Jusqu'à ce soir où il est venu manger, où il est venu chez moi, alcoolisé. Il a menacé de se tuer. Je l'en retenais. Je me sentais moi-même en danger. Il a commencé à être entreprenant. J'ai dit non. Non, maintes fois. Il m'encourageait à boire, jusqu'à ce que je lui cède. Ses actions étaient toujours aussi empreintes de violence. J'avais trop peur de le renvoyer chez lui. Il aurait dû prendre la route alcoolisée. J'avais trop peur de le laisser seul. Il était dangereux pour lui-même. J'avais tout aussi peur qu'il reste avec moi, mais qu'il me fasse du mal était la moins pire des solutions selon moi. Puis, je culpabilisais de l'avoir laissé entrer. J'aurais dû appeler des amis, mais je ne voulais pas les déranger pour une histoire d'ex qui gère mal leur rupture. J'en parlais à personne, qu'à demi-mot. J'avais honte de tout ça. Et aucun recul sur la situation pour voir la dangerosité de cette personne. Mais ce que j'ai appris depuis, c'est que céder n'est pas consentir. Et que cette soirée est gravée à jamais dans ma chair comme une immense salissure, une blessure, une déchirure, que seul le temps pourra soigner. Je remercierai jamais assez ma famille et mes amis qui m'ont permis de me sortir de l'emprise de cet homme. Cet homme qui recommença sûrement dans ses prochaines relations et qui a fait vivre les mêmes horreurs à ses ex, ça... Je l'ai appris bien plus tard. Cet homme que vous avez probablement déjà rencontré dans cette ville. Cet homme face auquel je me sens totalement impuissante. Alors je suis ici pour libérer ma parole, parce que j'ai été victime d'agressions sexuelles quand j'étais enfant et à mes 18 ans. Donc quand j'étais enfant, c'était mon père qui a fait une tentative et qui m'a touché. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup hanté et qui a réussi à me débarrasser il y a 2-3 ans avec une première thérapie. C'est survenu quand j'avais à peu près 11 ans, les souvenirs de flashback. Pendant toute mon adolescence, ça revenait toutes les nuits. Et pour pouvoir dormir ou autre, je me suis enfui dans les pétards et dans le dur. À mes 18 ans, les relations avec mes parents étaient assez conflictuelles. Si bien que il était question de m'envoyer dans un foyer des jeunes travailleurs. Et après un rendez-vous dans ce foyer-là, je me suis disputé avec ma mère et je me suis drogué, alprazolam, alcool et pétards. Et je me suis endormi dans le train qui me ramenait dans ma ville natale. Et en fait, je me suis retrouvé à Lyon, à 2 heures de la gare où j'étais parti. Et donc, je me suis réveillé, je ne comprenais pas où j'étais, je voyais complètement flou. La SNCF ne pouvait pas me laisser à l'intérieur. J'ai vraiment pas eu de chance parce qu'il y a un SDF qui a vu que j'étais dans la galère. Du coup, il m'a emmené dans un centre commercial à côté d'une PRH pour qu'on dorme. Quelques minutes plus tard, la gardienne nous a trouvés, nous a mis dehors. Elle a appelé un centre d'accueil de nuit avec une place du coup d'y aller et j'étais ambulé dans Lyon complètement perdu. Je comprenais sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait. Et quelqu'un m'a pris en voiture, qui avait l'air très sympathique, un homme. Et il m'a emmené chez lui. Au début, il m'a mis en confiance et il me servit à un thé, à discuter. Et en fait, il s'est servi de mon état tierce pour m'attoucher. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a bouffé jusqu'à aujourd'hui. J'en ai parlé pour la première fois à trois amis au mois de mars. Et depuis, je suis en thérapie et j'arrête de fumer. Et je commence à prendre soin de moi et à comprendre toutes les conséquences qu'il peut avoir sur une victime, en fait, surtout sur un homme. Et si je suis ici, c'est parce que en faisant mes documentations sur Internet, il y a très peu de représentations en France sur les hommes victimes d'agressions sexuelles ou de viols. Contrairement qu'au Québec, c'est pas tabou. Donc voilà.
Lorsqu'il est face à la peur, certaines personnes ont le lobe frontal,
partie responsable de la prise de décision qui cesse de fonctionner. La personne ne peut alors pas décider de s'enfuir, de crier, de réagir. Les femmes qui portent le voile ont le droit d'étudier et de travailler en le portant. Les femmes trans sont des femmes. Les femmes handicapées sont des femmes à part entière, elles aussi. Les femmes noires et racisées doivent pouvoir trouver un emploi, un logement, faire les magasins sans être accusées de vol et ne plus être associées à des clichés immondes imprégnés de notre imaginaire colonial. Nous voulons toutes entrer chez nous la nuit avec un sentiment de sécurité, ne pas nous faire agresser dans un Uber et nulle part ailleurs, nous habiller comme nous voulons, pouvoir marcher dans la rue sans être suivies, sifflées, menacées. Nous ne voulons pas que notre nom soit celui du prochain féminicide. Nous voulons que notre voix se fasse entendre et être prise au sérieux. Quand est-ce que notre sécurité sera considérée comme une priorité? Nous appelons à un partage massif de prise de conscience concernant ces violences faites aux femmes et à une volonté de déconstruction des schémas patriarcaux de la part de toutes et tous pour faire évoluer ensemble ce monde. Merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. Le monde.